Claude fait une offrande aux dieux avant de quitter notre hôtel à Mundouk. Notre petit autocar se dirige vers le nord de l'île. Admirons les paysages. Une forte montée. Heureusement, nos valises ne sont pas dans notre petit autocar, elles sont dans une camionnette qui va directement à l'hôtel. Après avoir revêtu le sarong, nous visitons un temple hindouiste. Nous sommes dans le village de Banjar, à quelques kilomètres de la mer de Bali, au nord de l'île. Juste à côté du temple hindouiste se trouve un temple bouddhiste. Arrêt aux sources d'eau chaude de Hot Spring où nous nous baignons.
Nous sommes toujours à Banjar. Le 30 mars, dans 48 heures, ce sera la nouvelle année balinaise. Donc les Balinais se rassemblent et vont en procession porter des offrandes à la mer. Nous sommes dans l'agglomération de Singaraja, à proximité de la mer de Bali. Nous sommes arrivés à Beratan, chez un prêtre hindouiste qui est l'oncle de notre guide Kabal. Avant d'écouter ce prêtre nous expliquer sa religion, nous prenons un petit anka composé de crevettes grillées et de thé. C'est ce que ça fait qu'on appelle la purification. Je me purifie moi-même avant d'aller vers le Dieu. Et je vais demander la présence de Dieu pour que la science maintenant se passe bien sans problème. Donc là, maintenant, je vais prendre le Dieu. Donc ici, vous êtes curieux, pourquoi il y a une noix de coco, et là, avec les riz, avec les fleurs. Pour nous, pour les hindous, ça représente l'univers.
L'univers pour nous, il se divise en trois parties. La partie basse, la partie moyenne et la partie haute. La partie haute, c'est le sommet des montagnes. Comme à Bali, c'est le mont, c'est la plateau, le plateau. Donc, et après, la mer. Donc, ça, c'est la mer, la partie basse. La partie, c'est la partie moyenne, la partie basse. Voilà, donc il y a trois groupes, c'est trois parties. À Bali, ou dans l'hindouisme de Bali, ou dans l'univers, et il y a toujours diffusion en trois parties. Sinon, en deux. La diffusion en deux, c'est comme le jour, la nuit, homme, femme, le haut, le bas, enfin, tout ça, c'est plutôt en diffusion en deux. Mais diffusion en trois, c'est aussi qu'il y en a beaucoup, comme là, la partie basse, la partie moyenne, la partie haute. Le corps humain aussi. La partie haute, la partie moyenne, la partie basse, le pied par exemple, c'est la partie basse du corps. Alors comme ça, donc c'est là, donc c'est l'élément de Dieu, et là, il nous donne la bénédiction, pour que la science passe bien. Après le Dieu, quand il est bien, comme ça, il est toujours accompagné par les autres. Vous ne vivez plus avec votre femme. Vous ne vivez plus avec si, votre femme. Si, sinon, oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, nous sommes ordonnés en même temps. Ouais. Mais il n'y a qu'un dans ma main qui continue à officier la cérémonie. Elle, par exemple, ma femme, elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas continué l'étape. Quoi. Mais beaucoup de prêtresses continuent la pension. Les deux pauvres quoi, aller quand à officier une cérémonie. Mais dans mon cas, dans notre cas, il n'y a que moi qui peut officier une cérémonie. Ma femme ne peut pas, parce qu'elle n'a pas continué. La deuxième étape, pendant les prêtres, il faut encore une étude pour passer. Et nous, à quelque chose qu'on ne doit pas faire, officier une cérémonie. Voilà un petit peu comme ça pour l'introduction. Est-ce que si vous avez quelque chose à me poser une question, allez-y. Par exemple, jusqu'à cette étape-là, est-ce que vous avez compris? Alors, oui. Dans cette religion, quel est le rôle du prêtre? Le rôle du prêtre, c'est d'amener les gens pour qu'ils fassent des bonnes actions. C'est ça. Donc, les prêtres, par exemple, donne des sermons aux gens, où il y a la fête par exemple, où il officie une cérémonie des gens, par exemple le baptême, le mariage, ou l'image des dames, n'importe. Et en même temps aussi le sermon. Et ils disent aussi pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ci. Parce que dans la vie d'un balinais, il y a beaucoup de... Comme je vous ai dit, il faut purifier l'âme. Alors, il y a beaucoup de cérémonies qu'on appelle Sarira Samskara. Autrement dit, Sarira c'est le corps, Samskara c'est purification. Il faut toujours purifier l'âme, le corps, avec l'âme dans la tête. Donc, depuis le baptême, on purifie jusqu'après l'anniversaire et après l'image des dents. Si on lime les dents quand les enfants sont en période de puberté, avant leur mariage, les enfants doivent passer par une cérémonie qu'on appelle l'image des dents. On lime les 6 dents supérieures. Pourquoi 6 dents? Parce que dans le corps humain, il y a 6 péchés capitaux. Il y a la colère, il y a l'avidité, il y a l'orgueil, il y a la confusion. Pendant que nous écoutons le prêtre, la procession avec les offrandes passe dans la rue et se dirige vers la mer qui n'est pas très loin. Oh,
Nous déjeunons sur place dans la famille du prêtre et de notre guide Kabal. Après le déjeuner, l'heure de la méditation dans le temple familial. Nous avons quitté le prêtre hindouiste et sa famille et nous longeons maintenant la mer de Bali vers l'ouest. Nous nous rendons dans le parc national de Dali Barat où nous aurons un hôtel perdu dans la forêt. L'accueil de l'hôtel perdu dans la forêt. Vue époustouflante du haut du belvédère de l'hôtel. Nous ne sommes pas très loin de l'île de Java. Juste un petit bras de mer nous en sépare. Il faut 30 minutes en bateau pour gagner cette île. Des minibus nous transportent vers nos chambres situées à quelques kilomètres. Direction le restaurant au bord de la mer.